Les mains en l'air. Reste calme. Envoyez les secours. Je vais vous faire une proposition. On va faire un marché, toi et moi. Tu m'aides, tu es libre. C'est du concret, ça. Je vais vous faire protéger. Pourquoi faire? J'ai pas besoin. Mais si, on a tous besoin d'être protégés. Ça fait bizarre de voir une femme qui fasse bonne sœur comme métier. Pas un métier, une vocation. Et j'avoue que ça fait bizarre de voir une jeune femme frêle comme vous au volant d'un énorme engin. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai, regardez Dimitri, il a pas une tête d'assassin et pourtant on le soupçonne d'avoir tué son beau-père. Ça, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Il paraît que votre patron, Monsieur Guillet, s'était mis pas mal de monde à dos. Excusez-moi, mais en quoi ça vous regarde? Non, c'est parce que j'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes avec lui et que je vous trouve très courageuse de rester travailler dans ces conditions. Mais vous n'êtes pas obligée de me répondre, cela ne me regarde pas. Bon, de toute façon, tout le monde le sait ici, j'ai porté plainte contre Guillet pour harcèlement. Et il m'a proposé un arrangement, j'ai refusé, voilà. C'est tout. Je vous amène avec moi ou... Non, non, bien sûr que non. Non? Non, je vous laisse faire votre travail. Merci beaucoup en tout cas, vous me rendez un fier service. Merci. N'oubliez pas que la priorité est à droite. Plaisant. Après vos déclarations, Madame Nattier, vous dites que M. Guillet vous a offert un verre et que vous l'avez refusé. On trinque. C'est vrai. Après, je suis partie. C'est peut-être ça. Et après, vous avez été où, alors, à ce moment-là? Après, je suis venue là ou... Bordel, j'en sais rien. J'étais peut-être là. Bon, c'est à ce moment-là que votre mari Romain a quitté la terrasse derrière vous? Ouais. Bah, montrez-nous, alors, voilà. Voilà, je suis partie. Monsieur, si vous voulez bien suivre. Non, je veux pas y aller. Romain, écoute, qu'est-ce qu'on me dit? Non, je veux pas y aller. Viens là. Ça, c'est galère, bosser avec vous. Eh bien, ça tombe bien. Car je t'annonce que c'est ta dernière fois. Mais j'en ai rien à foutre. Tu crois quoi, là? Tu crois me faire de la peine? Tu crois que j'ai besoin de toi, c'est ça? Ah, mais tout le monde veut bosser avec moi. Hein, les filles? Regarde-toi, Mélanie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi? À ce rythme-là, il n'y a plus grand monde qui va vouloir de toi. Mélanie! Mélanie, on descend plus vite que l'on monte. Crois-moi. Hé, t'es pas ma mère. Alors va te faire foutre! Putain, j'ai soif! Tu fais ça uniquement parce que tu boudes, t'es vraiment prise de tête par moment. Bon, ben moi, la prise de tête, on va aller faire un tour, parce que là, t'es vraiment trop chiante. Alors ça, c'est la meilleure, c'est moi qui suis chiante. Ah non, t'es pas chiante. T'es ultra chiante. Allez, Marco. Marco! C'est pas possible. Tu le fais exprès. Alors comme ça, je suis nulle. Ouais, tu devais venir tout seul, d'abord. Bon, ça te va bien de dire ça. Depuis quand tu trimbales ma chaîne en ovomatique? Il y a qui ce string, Antoine? Maintenant, 30, 40, 50 000 euros, j'aurais pu t'en demander 10 fois plus. Tiens, le voilà ton pognon.